Bonjour, 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 bonjour petit lionceau, bonjour petit Rushkov. Meurs pour toi, tu tues pour toi. 20 ans de prison pour mon fils. Petit lionceau, il va faire douche, petit lionceau. Bonjour mes vies, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, ça va, grâce à Dieu. Regardez les filles, comme c'est trop beau mes cheveux. Hier, j'ai lavé mes cheveux. J'ai fait une tresse et ça me fait des boucles. Dommage que ça ne boucle pas de la racine. Mais voilà, ça change. Hein. Bref, programme du jour, les filles. Je vais aller au Dubai Mall. C'est pas mon mall préféré. Mais je suis obligée parce qu'en fait, je dois aller chez Fred récupérer un bijou que j'ai fait réparer. Je vais aussi en profiter pour changer la gravure, pour enlever la gravure de ma rivière de diamant Fred. Ensuite, je vais aller chez Cartier. Parce que ce bracelet là, et ben il fait que s'ouvrir. Et en fait, il n'y a que à Cartier de chez Dubai Mall où ils font la réparation. J'ai été au, vous vous souvenez, j'avais été au quartier de chez Cartier à Emirates Mall et ils ne réparaient pas. Voilà, je vais voir une amie. Après, les filles, je vais vous faire une routine, une story complète sur la skincare coréenne. Vous savez que je suis une fan de skincare coréenne et que je m'y connais vraiment, vraiment par cœur. Je peux aller travailler dans un magasin de skincare coréenne tellement que je m'y connais. Tellement que vraiment, 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 je la fais et que j'aime trop et a vraiment des résultats si vous voulez avoir une belle peau et tout ça. Et puis voilà, toujours en mode réinitialisation pour devenir la meilleure version de nous-mêmes et on va le devenir ensemble. Non mais les filles, le sérum magique de chez Girl Power, il est vraiment magique. Je suis désolée, moi je peux pas m'en passer. Regardez, en fait vous en appliquez sur la cerne, ici sur la ride et sur la pommette, ça va venir lifter le visage instantanément, ça va resserrer les pores, ça va, il y a deux fois plus d'acide hyaluronique, c'est la nouvelle formule, et ça va lifter au niveau de la pommette. Je ne vais pas m'en passer, je vous explique. Ça, vous ne dormez pas de la nuit, vous en mettez, c'est comme si vous avez dormi pendant 12 heures. Non mais c'est une dinguerie. Regardez la différence, je ne l'appliquais que de ce côté. Regardez ce côté de mon visage. Comment il est lifté, les filles. Regardez, ma peau, elle a plus de tension. Regardez, je force. Hein. Et regardez, là, j'en ai pas appliqué. Regardez la ride ici, la cerne. Et ça marche encore plus si vous avez plus de cerne que moi. Et regardez les tensions qu'il y a. Là, j'ai le côté de mon visage. Il est up et lui, il est down. Regardez, les filles. C'est une dinguerie. Regardez. Regardez la tension qu'il y a ici au niveau de mon visage. Et là, regardez, là, il y a beaucoup de tension. Et là, il n'y en a plus beaucoup. Regardez ma pommette, comment elle est liftée. Non, c'est une dinguerie, moi, je ne peux pas m'en passer. En plus, il y a deux fois plus d'acide hyaluronique, c'est la nouvelle formule. C'est, il vous le faut, ça. Les filles, il vous le faut. Ah, et là, j'ai un code promo, 40%. Là, je vous partage 30, là, j'ai 40%. 40%, je vous partage. Bon, là, je vais appliquer de l'autre côté, parce que sinon, mon visage ne va pas être symétrique. Ensuite, donc, dans la skincare coréenne, les filles, c'est les produits les plus liquides au plus épais. Donc après le sérum, c'est la crème de jour. Et j'alterne avec deux crèmes, moi. Alors attendez, de toute façon, il a un effet en 3 secondes. J'alterne avec deux crèmes. Donc la Belovède, là c'est celle que je vais mettre. Au lait de chèvre, je vous ai donné un quad hier, c'est une pépite. Et j'alterne avec la crème à la bave d'escargot de chez Corseix. Et la marque de la skincare coréenne. Et là, on va crash tester le puits ensemble, le nouveau front end Huda Beauty, ça fait longtemps que je l'ai acheté, ça fait peut-être 3 semaines, je ne l'ai toujours pas testé. Au moins je vous donne mon avis aujourd'hui, je vais le porter la journée, en plus à Dubaï il fait chaud donc je pourrais vous donner un avis constructif. Et bon, même si la journée normalement je ne mets pas de front end, exceptionnellement je vais le faire pour tester pour vous. Moi je mets le front end que le soir, mais comme je ne sors plus le soir. Alors on va crash test ensemble tous les produits de chez Huda Beauty. Donc j'ai pris la nouvelle base. Elle est en rupture en France, mais elle est liée à Dubaï. Huda Beauty, elle est à Dubaï. Et on aime Huda Beauty. On valide ses produits parce que Huda Beauty, elle soutient Pastèque.
Ensuite, j'ai pris le nouveau fond de teint en teinte Dolce de Lice 350G. Et j'ai aussi l'anti-cerne que j'avais acheté en même temps et que j'ai déjà utilisé, que j'ai déjà crash testé et que je valide à 1 milliard de pourcents. Je ne sais pas où il est, mais où le mettre, je vous le dirai. Alors, j'ai pris un pinceau Zerma Zerma pour appliquer le fond de teint. Mais je voulais prendre le Huda Beauty ou le By Mario. Il est en rupture de stock. Donc, on m'a dit que ça, c'est les nouveaux pinceaux de Sephora, mais de luxe, Zerma Zerma. Donc, on commence par appliquer la base. Elle se présente comme ceci. Son packaging, il a été critiqué sur les réseaux. Hein? Vous arrêtez tout de suite de critiquer Huda Beauty. Huda Beauty, c'est Mago. Huda Beauty, elle soutient Pastèque. D'accord? Vous ne critiquez pas ses packagings. D'accord? Vous me critiquez si vous voulez son produit, mais pas ses packagings. Même, vous ne la critiquez pas du tout. Huda Beauty, c'est les hommes, c'est... Allez, on met de la base. Plus personne ne me critique Huda Beauty, moi je rigole pas. Moi, je la défends. Je vous explique. Je suis très très fan de elle. Alors, la base. Elle fout les poires, elle lisse la peau. Hop là, j'en ai mis un peu sur le front. Ici. Voilà. Oh! Prennent pour qui là, les gens ils me critiquent Mago là. Non, moi je suis une fervente défendrice de Huda Beauty, d'accord. Personne ne la critique. C'est Mago. Alors je vous montre sans filtre. Elle floute vraiment les pores. Après les filles, comme je mets le sérum qui resserre les pores de chez Girl Power, franchement la base Huda Beauty plus le sérum, c'est un 10 sur 10 les filles. On valide. Plus personne ne critique Huda Beauty. Et là on va crash tester le fond de teint avec le pinceau. Moi j'aime pas les pinceaux, je préfère la vérité. Je préfère les éponges. Alors, voilà comment il se présente. Alors, j'espère que c'est ma teinte. Alors vraiment on va faire comme les maquilleuses, on va l'appliquer ici. Et lui apparemment il fait un effet filtre. Et après. On va se peinturer le visage. Et j'ai un bouton, je suis indisposée les filles. Alors, il s'applique vraiment trop trop bien. La teinte, ça va. Moi, je mets pas la tête d'habitude de fond de teint le jour, mais c'est pour moi. Franchement, la teinte, très très bien. Il s'estompe super bien. Et même le pinceau Sephora. Il est très bien. Voilà, on dirait que j'ai mis un filtre. Alors franchement, il est léger, les filles. Il est très, très, très léger. Mais, qu'est-ce qu'il y a, mes enfants? Mais, il est à la fois couvrant. Je sais pas comment vous expliquer. Il fait pas l'effet plâtre comme son ancien fond de teint. Qu'ils ont critiqué là, faut pas critiquer Mago. Hein. Je vous interdis. Hein. Bon, là, je suis jeune. Hein. Mais très très bien. Les filles, je vous montre bien sans filtre. Regardez. Ah, franchement, c'est un 10 sur 10, hein, sa base et son fond de teint. Et en plus, c'est très léger. Moi, j'aime pas mettre de fond de teint la journée parce que ça me fait. Je crains. Eh bien, lui, il est trop léger. Regardez. Plus de pores. Non, franchement, c'est un 10 sur 10. Et là, je mets son anti-cerne. Bon, l'anti-cerne, je l'ai déjà testé et retesté. Je l'ai validé à 100%. Ma teinte, c'est Granula 4,5G. Oh là là. Non, Huda Beauty, c'est Mago. Il s'estompe super bien. Il est bien couvrant. Moi, j'aime bien ici quand il y a le trait, là. Vous voyez? Ça lift le visage. 10 sur 10. 10 sur 10. Regardez mon teint. Et les teintes, elles sont parfaites. Allez, on finit de ce make-up. Et on se motive les filles. On n'oublie pas. On est en mode réinitialisation. En mode devenir la meilleure version de soi-même. Alors mon bronzer c'est le Rare Beauty en teinte Amber, c'est une pépite, c'est Saliha qui me l'a fait tester. Oh là là, il s'estompe super bien avec le fond de teint en dessous.
Alors les filles, très très important de prendre soin de sa santé mentale. Alors je vous donne des conseils que ma psy elle m'a donné. Vous savez, on se construit sur notre adolescence, ok? Et si on a vécu des traumatismes dans notre adolescence, parce que c'est là où on se formate, et ben généralement après psychologiquement en grandissant, on ne va pas bien. Donc ce qui est important, c'est de prendre soin de soi et de sa santé mentale, surtout. D'aller voir une psy, ça fait du bien. Pourquoi ? Parce que la psy, elle va vous aider à accepter vos traumatismes. Et en fait, une fois que vous comprenez vos traumatismes, parce que parfois, vous ne les comprenez pas. Une fois que vous les comprenez, parce que des fois, vous ne savez pas, donc la psy, elle vous les fait sortir et tout ça. Ensuite, il y a plusieurs phases. Il y a la phase acceptation, donc on accepte le traumatisme. Et ensuite, il vient la phase où on doit se reconstruire. Et en fait, pour se reconstruire de ces traumatismes, il faut les accepter et faire de ces traumatismes une force. Et c'est un travail qu'il faut faire avec une psy. C'est très très important. Et pour être bien dans sa tête, il faut guérir de ses traumas. Parce que souvent, quand on n'est pas bien dans sa tête, c'est qu'on n'a pas guéri de nos traumas. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, les filles, mon conseil, c'est de d'abord prendre soin de sa santé mentale avant de prendre soin de soi physiquement. Parce que si on n'est pas bien dedans, on ne peut pas être heureuse. Moi, par exemple, un de mes traumatismes de mon adolescence, ça a été la peur de l'abandon des hommes. Au début, avant d'aller voir ma psy, je ne le savais pas. Et en fait, c'était à cause de ça que je me comportais mal avec les hommes. En fait, j'avais tellement peur qu'ils m'abandonnent que je faisais tout, c'était la Maïva d'avant, hein, que je faisais tout pour leur faire du mal, pour les tester, pour voir s'ils allaient me quitter. J'allais même jusqu'à, c'est pas bien, ne prenez pas exemple, jusqu'à même les tromper et de faire en sorte qu'ils le sachent pour voir s'ils vont m'abandonner. J'avais un vrai problème psychologique. Et aujourd'hui, avec ma psy, c'est le travail. C'est le travail qu'on fait et aujourd'hui, de ce traumatisme, je suis guérie. Et en fait, elle m'a guérie comment ? Déjà en me parlant et en me faisant... Et en fait, en parlant, j'ai vu que c'était mon traumatisme, en me faisant accepter mon traumatisme et en faisant un travail, en acceptant tout ce qui s'est passé dans mon enfance. Et aujourd'hui, je ne suis plus du tout pareille. Je suis fidèle. J'ai appris ma valeur. Je me manque avec personne. En fait, moi, avant, j'étais très loyale en amitié, mais pas avec les hommes. Et là, je me manque avec personne. Et puis, si l'homme, il se manque, c'est l'aime. Parce qu'aujourd'hui, je connais ma valeur. Et en fait, avant, j'avais tellement peur qu'il se manque. J'avais tellement peur qu'il m'abandonne que je voulais me manquer en première. Et là, aujourd'hui, non, je suis une femme. J'ai des valeurs. Je me manque avec aucun homme. Je suis loyale avec eux. Il ne faut pas fréquenter. Il faut se marier. Je suis loyale avec eux. Et s'ils se manquent, ce sera tant pis. Et aujourd'hui, j'apprends à connaître ma valeur en amour. Alors qu'avant, je n'avais pas trop. Mais c'est un travail que je fais avec ma psy. Et aujourd'hui, je me sens mieux. Et dans mes relations, ça va. Et dans mes relations, ça va beaucoup mieux parce que j'apprends à faire confiance et je suis très, 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 très loyale. Et ça, c'est un travail que j'ai commencé il y a peut-être 2 ans et aujourd'hui, je suis comme ça, vous voyez ? Et par exemple, regardez Dieu comment il fait trop, trop bien les choses. J'ai quelqu'un de proche qui est pour moi, qui fait partie de ma famille, qui a pareil, qui a un traumatisme dû à l'abandon, même si c'est pas les hommes, c'est sa maman. Bref, ça me fait trop de la peine et je l'aide et je l'ai poussé à aller voir la psy et tout. Regardez Dieu comment il fait trop trop bien les choses. C'est pour ça, toujours tawakul. Toujours, toujours. Hein. Et ben elle, donc son traumatisme, c'est ça. Et ma tante, écoutez bien l'histoire, hein. Et ma tante, son traumatisme, c'est qu'elle a toujours voulu avoir une fille et qu'elle a eu que des garçons et qu'elle a eu une fille et elle a perdu. Voilà, ma cousine. Et du coup, c'est le traumatisme de ma tante. Eh bien, regardez Dieu comment il fait bien les choses. Ma tante, elle a toujours voulu avoir une fille et ma belle cousine, elle a toujours voulu avoir une mère.
Elle s'est mariée avec mon cousin. Elle a la meilleure des belles-mères. Et ma tante, elle a la meilleure des belles-filles. Et aujourd'hui, ma tante, elle considère sa belle-fille comme sa fille. Elle la met sur sa tête. Et ma belle-cousse, elle considère sa belle-mère, ma tante, comme sa maman l'a mis sur sa tête. Elles se sont retrouvées. Vous avez vu Dieu comment il fait bien les choses. Et aujourd'hui, ma belle-cousse, elle va voir le psy, elle fait un travail sur ça. Et c'est très très dur pour elle et je l'aide beaucoup et elle le sait. Mais bref, vous voyez Dieu comment il fait trop trop bien les choses. Les filles, j'ai fini mon make-up, je vous montre le résultat sans filtre. Magnifique, hein. On valide Huda Beauty. On dirait même pas que j'aime du fond de teint. Les filles, j'ai rajouté un petit trait de liner. Vous savez que la journée, je me maquille jamais les paupières. Vous aimez? Les filles, vous voyez ça là. Ça là. Béom, il vous le faut à toutes. Ça, c'est pour toutes les filles. Je vous explique. C'est une brume parfumante et hydratante. Il y a trois odeurs. Ma préférée, c'est musc blanc. Après, j'ai une deuxième préférée, c'est ambre. Et il y a la rose poudrée, c'est la préférée de Saléha. Je vous explique. C'est une brume parfumante et hydratante. En même temps, à l'intérieur, il y a de l'aloe vera et de l'huile d'argan. Donc, vous en appliquez sur tout votre corps. Regardez, comme ça, en deux yeux, les filles. À 10 cm, comme ça. Vous passez votre main. Et là, vous êtes parfumée, vous sentez bon. On passe à côté de vous, on fait... Ou votre mari, il vous sent et vous dit, mais allez, j'ai envie de te mordre tellement tu sens bon. Au nom de Dieu, c'est la vie, ça. En plus, ça coûte pas cher, les filles. Je vais vous donner un gros code promo. Vous en mettez tous les jours après votre douche sur tout votre corps. C'est une dinguerie. Là. Qu'est-ce qu'il y a pas? J'ai un short en dessous. Je suis indisposée, j'ai un short menstruel. Là, regardez, les filles. Je vais en mettre sur cette jambe et je vais vous montrer le avant-après. Les filles, c'est une dinguerie. Ça parfume et ça hydrate. Une brume, là. Non, juste ça parfume. Eh bien, celle-là, elle parfume et elle hydrate. Regardez. Sur votre jambe. Hop là. Attendez, j'enlève la coquette. Sur les pieds, partout. Comme ça. En deux-deux, regardez. Là, j'ai hydraté et parfumé mon corps. En combien? En 30 secondes, j'ai fait tout le corps. Aïe, les filles, comme ça sent bon. Eh, les filles, il nous la faut à toutes. C'est une dinguerie. Merci, Béom, d'avoir inventé ce produit. Parce que c'est pas qu'une brume parfumante. Elle hydrate aussi, c'est un 2 en 1, c'est une pépite. C'est une dinguerie, je peux pas m'en passer ça les filles, voilà. Là, moi, celle que je mets, c'est musc blanc. Elle sent le musc blanc, elle sent le propre, elle sent trop bon. Regardez, je vous remontre. C'est très facile, vous mettez à 10 cm de votre corps. Et après, vous passez votre main comme ça et vous êtes parfumée et hydratée les filles. Regardez la différence. Regardez ma peau là, comment elle est toute riche. Et regardez là. Ici, elle est parfumée et hydratée. Je griffe toutes mes forces. Regardez. Je griffe toutes mes forces. Dedans, en fait, il y a de l'aloe vera et de l'huile d'argan. Donc, ça hydrate et ça parfume et vous sentez trop bon. Votre mari s'approche de vous, il vous embrasse la peau tellement vous sentez bon, vous sentez le propre. Ça, c'est ma ceinture préférée. Il en existe trois et je vais toutes les mettre. Regardez la différence. Et là, bim, bam, bam, bam. En 5 secondes, je suis hydratée et parfumée. Ah, c'est une dinguerie. Et là, je griffe, il n'y a plus. Regardez, toutes mes forces, tellement regardez. Les filles, vous avez trois senteurs. Donc, vous avez là, je vais vous mettre toutes les senteurs qu'il y a. Vous avez la musc blanc, ma préférée. En deuxième préférée, c'est la ambre, qui est aussi la préférée de ma mère. Elle sent trop, 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 trop bon. Elle sent comme le parfum ambre nuit, le parfum de niche. Et vous avez la rose poudrée, ça, c'est la préférée de Saléha. La vérité, les filles, je vous recommande le pack parce que ça vous revient moins cher. Et en plus, je vais vous donner un code promo. Mes vies, vous êtes obligées de les avoir. C'est une dinguerie. Ça parfume et ça hydrate. Si vous avez la flemme de mettre de la crème, là, on met 10 minutes pour mettre de la crème sur tout son corps. La brume, elle fait tout. Elle hydrate et elle parfume. C'est une dinguerie. Les trois, elles sentent bon. La vérité, je vous conseille le pack. Comme ça, vous êtes tranquille. Et ça dure longtemps. Oh, j'en mets tous les jours. Celle-là, je l'ai ouverte. Il y a peut-être un mois et demi. Regardez tout ce qui reste. Et en plus de ça, j'ai 30% pour les 50 premières commandes. Ouais, je parle ou quoi? Commandes. Je vous partage le code promo, c'est une pépite. Il a foi à toutes. Alors, mes vies, petite outfit of the day, vous me dites. Alors, petite robe marron. J'ai un short en dessous. Très, très belle, évasée. Voilà, on est plus vulgaire, on est plus ses formes.
petite chypre, les nouvelles chypres que je viens de me prendre, bicolore en daim. Oh là 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 là, regardez-moi ça! Crocro belle et un birkin cuir dur. Crocro beau. Voilà, orange assorti au chypre. Est-ce que vous aimez, est-ce que vous validez les filles? Moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et la robe, je vais vous mettre la ref. Et les filles, on n'oublie pas, mode réinitialisation. Femme capable, on te dit. On se motive, on va au bout de nos objectifs. Et pas besoin de mettre des vêtements chers pour être belle. Une robe Zara, une robe Shein, une robe ce que vous voulez, c'est la prestance qui compte. Très important, avoir confiance en soi, très important, connaître sa valeur. Et encore une fois, avoir confiance en soi ne veut pas dire être orgueilleux. Avoir confiance en soi tout en ayant de l'humilité. Voilà, voilà les filles. Et même, je vous le dis, si j'avais mis un petit sac, pas de marque, un petit sac Zara, Mango, je sais pas, Shein, aussi, je serais fraîche parce que c'est la prestance qui compte, les filles. La prestance, même si j'avais mis des claquettes à 10 euros Shein, eh ben, ça aurait fait. Ça, c'est la prestance qui compte. Vous comprenez, les filles? Allez, j'y vais, je vous aime. Les plus beaux du monde, ils ont fait deux chez Sam.
pourquoi j'aime pas Dubai Mall. Parce qu'il y a trop de monde. En plus, je me suis trompée. Je suis allée dans un parking. Ils m'ont fait ressortir et ça m'a rajouté 10 minutes dans le GPS qui avait pas de place. C'est le plus grand mall du monde. Alors tu marches pour aller d'un magasin à l'autre. J'aime pas ce mall. Il est trop grand, il y a trop de monde. Aux gentils, ils m'aident. Ils m'aident, c'est le laveur de voiture. Et la dernière fois, il m'a mal lavé la voiture. Regardez. Il m'a mal fait. Je vais la faire relaver par lui. Parce qu'il m'aide. Je sais qu'il m'aide pour laver ma voiture, mais je vais l'aider. Je vais lui demander qu'il me lave l'intérieur. L'extérieur, il m'a fait intérieur, mais ça sert à rien. Il y a de la poussière toutes les 5 minutes à Dubaï. Il y avait déjà ça là à l'extérieur. Lui, normalement, il lave à l'intérieur. Salam alaikum, brother. How are you, my brother? Alhamdulillah, thank you for helping me. It's possible, clean inside. Inside. Hein? No, inside. Only. No, inside, please. You put. Ils veulent pas, je sais pas ce qu'ils ont avec l'intérieur. Non, inside. Non, inside. Non, it's ok. Inside, ok ou non? Non. Non? Ok, ben, thank you. Thank you, my brother. After you put chips, because I don't have money now. Inch'Allah. Je vais retirer une fois. Aïe, je vais insulter un mec. Ça y est, il m'a fait quoi? Par Allah. C'est interdit de le faire à Dubaï. Clochard, va. Clochard, il croit que je suis sa petite. Aïe, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de l'insulter, moi. Mais il faut pas. J'ai déjà eu une case. Au nom d'Allah, il m'a fait comme ça. Il croit que je suis sa petite. Bref, je viens d'arriver. Faut que je retienne. Je suis garée à ici, c'est Underground Sport. Aidez-moi à retenir. Là, je vais rejoindre la patinoire. Je vais rejoindre ma copine vite fait. Je vais manger et après, je vais chez Cartier, chez Fred. Oh, il me dégoûte ce mall parce qu'il est trop grand. Pour aller des magasins à un autre, tu marches pendant 30 minutes. En plus, je suis indisposée. Donc ma tension elle monte vite et quand je suis indisposée j'ai mal aux cuisses. Et quand je marche trop après j'ai mal aux cuisses. C'est vraiment un mall de touristes, c'est pour ça que j'aime pas. Quand j'ai habité à Dubaï au début je venais que ici. Il est trop grand. Je suis là. Il faut que je marche tout ça pour aller. Non moi je peux pas moi. Combien de minutes? Regardez tellement c'est grand. Pourquoi il n'y a pas écrit les minutes? 4 minutes. Non, ça va. Enfin, ça va, non. Moi, la vérité, les politiciens, là, je peux plus me les voir. Ce qui se passe, là, à Marseille, la Hagla, qui sont à Nora Preciosi, parce que sa mère, elle habite dans un HLM de luxe. Mais alors, c'est sa mère. Qui c'est qui met pas bien sa mère? Mais c'est quoi cette mentalité? C'est ça. Vous voyez quoi? Les gens, ils aiment pas quand les Arabes, ils réussissent. Ils veulent leur mettre des bâtons dans les roues. Ils veulent pas. Ils veulent pas moi, je la soutiens, Nora Preciosi. Je la soutiens. Oh, c'est sa mère. C'est sa mère. Qui c'est qui met pas sa mère bien? Non, moi je peux plus, moi les gens. Je peux plus la mentalité des gens. Les filles, je suis chez Sephora Dubai Mall. J'ai déj avec ma copine et sa maman. Et elle a acheté le pinceau, elle a trouvé le make-up Burry Mario. Mon bébé? Elle a trouvé, je vais le prendre. Je vais voir s'ils ont rare Gucci. Lui, les filles, il est trop bien. Je vais l'acheter, du coup, je suis trop contente. La dernière fois, je le voulais, mais il était en rupture de stock à Emirates Mall. Et je vous montrerai mes achats, de toute façon. Je suis désolée, mais cette marque, elle est surcotée. Wallah, les brumes, elles puent. Wallah, ça sent pas bon, c'est surcoté. Prenez Béhomme, c'est mieux. Et Wallah, c'est pas parce que je collabore avec Béhomme, c'est parce que c'est la vérité. Je vais prendre ça et ma copine elle me dit faut pas que je prenne le blonde. J'ai envie de tester. Non, si le blonde, le jeune. Non, pas celui-là. Un autre jeune. Les filles, vous savez que la Laura Mercier, je l'ai jamais testée. À part qu'on m'a maquillée, je vais la prendre comme ça. Alors, si je me le dis, sauf que vous savez, j'ai déjà pris des cours d'anglais. C'est vrai, faudrait que j'en reprenne pour ma réinitialisation. Mais on m'a toujours dit c'est mieux d'apprendre dans le tas.
Et avant, je me faisais toujours aider. Et maintenant, eh ben, je comprends l'anglais parfaitement. Et j'arrive à me faire comprendre, même si je ne suis pas complètement bilingue. Voilà. Donc pour le moment, j'apprends dans le tas. Les filles, vous voulez que j'arrête les filtres? Là, j'ai pas mis de filtre. C'est une habitude qu'il faut que je prenne. Vous préférez? Les filles, pour le shopping de luxe, ne le faites pas à Dubaï. Moi, quand j'emménageais à Dubaï, j'étais une grosse oive. Je faisais le shopping de luxe à Dubaï. C'est 30% plus cher qu'en France. Ça veut dire quand tu vis à Dubaï et que tu vas faire les magasins de luxe en France, c'est les promotions. Tu payes 30% moins cher. Et en plus, si tu achètes à l'aéroport, tu payes encore moins 20% moins cher. Avant, j'étais une méchante cliente. Je faisais mes achats de luxe à Dubaï. Maintenant que j'ai su ça, je ne fais plus. Ah bah, du tout, j'ai payé 30% déjà que j'ai acheté un truc cher. À un moment donné, voilà. Hein. Ouh là là, là, j'ai beaucoup marché. Écoutez-moi. Je suis essoufflée. Je m'entraîne pour le Mont Blanc. En fait, mes entraînements pour le Mont Blanc, j'ai compris. Il faut que je vienne à Dubai Mall. C'est le plus grand mall du monde. Moi, je marche 20 minutes pour aller d'un point A à un point B. Les filles, là, je passe devant chez la durée. Et en fait, la durée de Dubai Mall, c'est fréquenté que par des Émirachis. Genre les Émirachis qui ont du papier. Écoutez-moi. Vous avez vu les filles voilées, elles ont le voile, mais leurs cheveux, elles dépassent. Ah ben, je trouve ça trop beau. C'est des bombes atomiques là où ma belle est. La classe. Même les voilés tout court. Oh là là, la classe qu'elles ont, les filles. Oh là là, moi, c'est ce genre de filles qu'on dit. C'est pas les Tana. Hein. Allez, ça y est, je suis arrivée, enfin. Ah, et j'ai oublié de vous dire, quartier. Le quartier, c'est moins cher à Dubaï parce qu'en fait, l'or, c'est moins cher à Dubaï. Je sais pas si vous le savez, mais sinon, tous les autres luxes. C'est moins cher en France de 30%. Hi! Thank you! Hello! I'm problem. Brocade. Yes, brocade reparation. Hein? Oui. C'est not here. Grand Etrum Cartier. You know Tiffany? Tiffany? Tiffany, next to Tiffany, Cartier store. Okay, well, we're up. C'est pas, yes, thank you. C'est pas dans ce quartier, c'est dans un autre quartier. Straight. Left. Ah, Richard Mille, à côté de Richard Mille. Fred. Fred. You know Bloomingdale's? Fred. C'est à côté de Fred? Parce qu'en plus, je dois y aller. I don't know where it is. Ah. You know, Tiffany, Rolex, je crois. Main entrance. Yes, Tiffany, yes. Rolex, main entrance. Yes. Ah, ben, okay. Parfait, je dois y aller là-bas. Thank you. Ah, c'est bon. Bon, ben, je me suis trompée, je croyais qu'il fallait aller ici. Mais en fait, ici, ils ne réparent pas. Ici, tu achètes. Et là-bas, tu répares. Donc, je vais aller. Et en plus, ça tombe bien. Parce qu'il y a Fred à côté. Je vais aller chez Fred. Wesh, ma queen. Je suis perdue. Je trouve pas de machine pour m'aider. Je déteste ce mall, il me met les nerfs. Je veux m'acheter le nouvel iPhone, mais à Apple, en fait, à Dubaï, c'est interdit FaceTime. Donc dans les iPhones que tu achètes à Dubaï, eh ben, y a pas FaceTime. Donc je ne pas à Dubaï. J'en ai marre, je suis revenue au point de départ. Regardez, il y a Sephora. Non, moi j'en ai marre de tourner en rond. Je crois que je prendrai un taxi. Regardez, il y a les taxis comme ça. Excuse me. Salam. C'est des voilettes, sont trop belles, machin. It's possible, taxi for me? Hein? Alors, Cartier and Richard Mille, à côté de Richard Mille. Cartier and Fashion Avenue, not Avenue. Non, 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 not Cartier Fashion Avenue. Yes. It's okay? Ouais, je prends le taxi. Yeah, it's okay. Ouais. Non mais j'aurais dû marcher mais je sais pas où c'est les filles parce que vous savez pourquoi? J'ai pas le sens de l'orientation. Pour le Mont Blanc, je vais avoir le sens. Enfin je vais avoir un guide. Regardez comme c'est trop bien. Ouais. J'ai fait tout le tour. Thank you my brother. You helped me my life. Les filles, regardez comment c'est
c'est pas cher, 10 dirhams, 2,50€. Regardez, 2,50€. Et puis moi je croyais que ça allait me coûter au moins 10€. Thank you brother. Hi. Thank you. Customer service. Hi. Thank you. My brocade. Customer service. Okay, sure. At the moment, customer service is completely full. We have some waiting time here downstairs, and then we will let you go. Is it okay for you to wait? How many time? Around 20 minutes. Here, and then they are... 20 minutes? 20 to 40, 1 hour in total. Okay, go back. Maybe you can come back later. Okay, but you put my bracelet and after go. Come. No, we cannot because it's different departments. Okay. 20 minutes, go back. Okay. Thank you. Bonjour. Oui, ça va, vous allez bien? Ouais. J'ai cassé un bracelet, il faudrait me le réparer s'il vous plaît. Oui, il s'ouvre. C'est celui-là qui s'ouvre. Oui, attendez, je vous montre. Merci beaucoup. Oh, les filles, trop gentilles. Un vendeur français. Voilà, il m'a pris. Trop bien. Et en plus, vous savez, Cartier, c'est moins cher à Dubaï qu'en France. Parce que l'or, c'est moins cher ici, c'est ça? C'est juste que les prix sont les mêmes partout dans le monde. C'est la TVA qui fait la différence. Et vu qu'ici, la TVA est très basse. C'est juste à cause des taxes. Et pourtant, tout le luxe, il est plus cher ici. Ouais, mais pas pour Cartier, Van Cleef. Ouais, trop bien. Voilà, les bijoux, il faut acheter à Dubaï. Et regardez, c'est ça, mon bracelet, il s'ouvre. Lui, il est trop beau. Aïe les filles, la chance que j'ai eue, il m'a pris tout de suite, c'est bon mon bracelet, il est en réparation, je l'aurais pu faire dans 3 semaines normalement Inch'Allah, et trop gentil le vendeur, il s'appelle Pierre, voilà, meilleur vendeur de chez Cartier, Pierre, si vous allez acheter chez Cartier, vous demandez Pierre, et en plus... tout ce qui est bijoux, donc Cartier, Van Cleef, voilà, tous les bijoux, c'est moins cher à Dubaï. De beaucoup, par exemple, un love de chez Cartier, c'est 1 200€ moins cher à Dubaï. Donc ça fait beaucoup. Et là, juste à côté, il y a Fred. Voilà. Même Tiffany & Co, eh ben, c'est pareil. C'est moins cher à Dubaï. Oh, j'aime Tiffany & Co. Ah, c'est la Fred. Allez, go Fred. Hi, good and you? I have my bracelet and thank you. And I have a big problem. Look. Ah, this is necklace. This is necklace. Yes. And my best friend, same my ex best friend, okay? And I'm afraid you scroll. Donc il faut remove, regarde ici, il y a les initiales. Oh, elle est belle, hein? Nice, hein? Yeah, of course. But where did you buy this from? Hein? Where you buy from? France? Yes, Monaco. Monaco, okay. You live in Dubai? I live in Dubai, yes. Et attendez, il y a les initiales, il faut les remove. You don't have French? Ah non, je sais pas où ils sont les initiales. Hein? What's the problem? Non, no problem, attends. C'est où les initiales qu'on les a mis? Je me rappelle plus où c'est. Ah, voilà, ici. You know initial M and C. Remove C. Ah. Remove because elle m'a fait de la sorcellerie. Remove. Okay, but this one you have to do it in Europe, in France. Okay, but remove. No, I mean, you fly into France or no? Non. Non, mais I have account here. I know, no, not about account, because this one we didn't do. This is... Ouais, we, mais... No. This, I mean this. Yes, remove. We don't make for you. What? We make in France. Non. Moi, ils m'ont... Non, here, please. Parce que moi, une fois, here, brocade, and... I understand. And Ferrari. You know Ferrari? Ferrari, yeah, come in my house. I know. C'est un transporteur Ferrari. Here, it's... Different service. Yes, center. But no fly in French, please. Mm-hmm. Vu le prix, il peut m'enlever Can mon you truc. Put the name and your name? My name? Mm-hmm. Guenam. Here. This here one? And here. Il y en a plein.
It's me, Maeva and Melissa, it's me. Il y en a plein. Et je dois récupérer un bracelet. Regarde. Look. Here. J'ai un rendez-vous ici. What? Good afternoon, madame. I'm contacting for by mom. J'ai réparé quelque chose ici, il faut que je le récupère. Ok. Wait, but I want to see the number, please. What's the number? Show me. This number. It's un bracelet. Ah, Yuli. Okay. Yes, Yuli. Call Yuli. Yes, she's here. Thank you. Ah, et je vous explique. Voilà. Là, je vais bien leur dire, c'est gravé ici. Attendez, je vais le trouver tout à l'heure. Là, ici, c'est gravé M et C. Voilà, je vais enlever la gravure. Et elle, elle. Vous voyez, je ne lui pardonnerai jamais de ma vie. D'accord? Je vais vous expliquer pourquoi. C'était ma meilleure amie. C'était ma meilleure amie jusqu'à on s'est offert une rivière de diamants à 50 000 euros qu'on a gravé nos prénoms. Pendant qu'on était meilleure amie, que je mourrais pour elle, que j'ai toujours été là pour elle, elle, elle me faisait de la sorcellerie parce qu'elle était jalouse de moi. Et vous croyez que ça, un jour, je vais lui pardonner? Mais quand le bon Dieu, il va nous convoquer toutes les deux. Mais jamais je lui pardonne, même pas devant Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que qu'est-ce que je lui ai fait de mal pour qu'elle me fasse de la sorcellerie? Je lui ai fait que du bien. Je lui ai fait que du bien. Allez, on va dire, elle a fait de la sorcellerie à Kevin parce qu'elle était amoureuse, qu'il a trompé, tout ça et tout ça. Mais moi, qu'est-ce que je lui ai fait à part du bien dans sa vie? Je ne l'ai jamais trahi. Et en plus, regardez le monde comment il part en vrille. En plus de ça, c'est elle qui me fait de la sorcellerie et c'est moi qui me fais démonter sur les réseaux sociaux. C'est elle qui me fait du mal gratuitement alors que je lui ai rien fait. Et moi, je me fais démonter sur les réseaux et elle, même pas, elle ouvre sa gueule pour dire arrêtez de l'harceler. J'ai subi un harcèlement. Alors que quand toute cette histoire elle est sortie, quand toute cette histoire elle est sortie, moi je disais aux gens de ne pas l'harceler. Elle, elle a même pas fait. Donc qu'elle fasse de la sorcellerie à son... Déjà ça c'est pas n'importe, c'est n'importe quoi. Déjà quand vous faites de la sorcellerie, ça vous retombe dessus, d'accord? Et Hi madame, hi. It was me, it's who we were. Attendez, déjà quand vous faites de la sorcellerie, ça vous retombe dessus, c'est très péché, vous finissez en enfer. Et en plus de ça, on ne tient pas un homme avec de la sorcellerie. On ne tient ni un homme avec un enfant, ni avec de la sorcellerie, et ça vous retombe dessus, d'accord? Et même après tout ce qu'elle m'a fait, je me suis jamais vengée, au nom de Dieu. Je vous disais, et même qu'après... So you remove all of it? Non, remove si. Keep and? And si, yes. M, less. M only? Okay. Non, M, not remove. Remove. And si. And si, yes. Please. Et moi, j'ai toujours été la brelle. Et elle, pendant que j'étais sa meilleure amie, elle me faisait par derrière de la sorcellerie. Et vous croyez que je vais lui pardonner? Toz, vous connaissez Toz, si je lui pardonne devant Dieu, je lui pardonnerai jamais. Par contre, je ne souhaite pas de mal. Et je ne me venge pas. Je laisse tout entre les mains de Dieu. Tout, tout, tout. Mais ce qu'elle m'a fait, je ne lui pardonnerai jamais. Et elle aussi, hein. Ses secrets, je les emporterai dans ma tombe. J'aurais pu détruire son mariage, elle aurait pu ne pas se marier. Tellement que j'avais des dossiers comme ça sur elle. Mais elle sait que moi, je suis quelqu'un de loyal. J'ai toujours été loyal en amitié. Et que même alors qu'elle m'a fait ça, je ne me suis même pas vengée. Et je laisse Dieu me venger pour moi. D'accord? Et les gens qui me disent pardonne-lui, jamais, 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 même devant Dieu. C'est très, très grave. Oh, c'était ma meilleure amie, c'était ma sœur. Elle m'a fait de la sorcellerie. Vous savez pourquoi? Au nom de Dieu. Elle m'a fait de la sorcellerie parce qu'elle était jalouse de moi. Je venais d'arriver dans les Marseillais. Et comme directement, j'ai cartonné, on va se parler français, elle était jalouse, elle avait peur. Et pendant qu'on était meilleure amie, qu'on s'offrait des rivières de diamants à 50 000 euros, elle me faisait de la sorcellerie par jalousie. Allez, on va dire Kevin, même si c'est pas normal, ça va, c'est pour le tenir. C'est pas normal, il faut pas faire ça. D'accord? Vous allez finir éternellement en enfer, ceux qui font ça pour tenir un homme. Mais moi, je lui ai fait quoi? Et en plus, je me suis même pas vengée. Jamais je lui pardonne, mais jamais devant Dieu, je lui pardonne. Regardez tellement que c'était ma meilleure amie. Par Allah, par Allah, par Allah. Vous voyez, ce collier Fred, il coûte 10 000 euros. Vous savez que elle devait se marier, j'étais sa meilleure amie, donc demoiselle d'honneur, pendant qu'elle me faisait de la sorcellerie. J'ai déposé un acompte chez Fred de 10 000 euros, écoutez bien, par Allah, de 10 000 euros pour lui offrir les boucles d'oreilles, assorties à notre rivière de diamants qui coûte 20 000 euros, plus de 20 000 euros, par Allah. Et j'ai déposé l'acompte parce qu'en fait,
quand c'est des diamants comme ça, des rivières de diamants, comme notre rivière de diamants, il y a de l'attente. Par exemple, la rivière de diamants, on a laissé un acompte et on l'a reçu 3 mois après. Et après, on a fini de la payer. Et je comptais lui prendre des boucles d'oreilles. Donc, j'ai posé le premier acompte de 10 000 euros. Regardez, ma meilleure amie, je devais être la témoin de mariage. J'allais lui prendre une paire de boucles d'oreilles à plus de 20 000 euros. Et après toute l'histoire de sorcellerie, j'ai fait quoi? J'avais un acompte chez 10 000 euros, de 10 000 euros chez Frette. Et j'ai pris ce collier. Et elle, pendant que je faisais tout ça pour elle, yes, pendant que je faisais tout ça pour elle, eh ben, elle est en train de me faire de la sorcellerie. Yes, nice. Yes, give me here. C'est le bracelet de ma mère. Je l'ai ramené à réparer. Et pendant que moi, thank you very much. Maman, c'est pour toi. Pendant que moi, j'allais l'offrir des boucles d'oreilles à 20 000 euros, elle est en train de me faire de la sorcellerie. Et vous croyez que je vais lui pardonner? Et même après tout ça, au nom de Dieu, au nom de Dieu, au nom de Dieu, je ne me suis jamais vengée, je laisse Dieu me venger. Même après tout ça, j'aurais pu la faire divorcer ou la faire ne pas se marier, je ne l'ai pas fait. Et même après ça, que après, je ne parlais plus avec Kevin, après ça, quand Kevin il a divorcé, on s'est reparlé, Kevin et moi, par Dieu, par Dieu, par Dieu, je n'ai jamais balancé les dossiers que j'ai sur elle. Jamais, jamais, jamais. Alors que je l'ai là et qu'elle m'a fait de la sorcellerie. Je ne me suis jamais vengée et je ne me vengerai jamais. Dieu, il va me venger, il va bien me venger. Et les gens, ils me disent, pardonne-moi, c'est impardonnable. Même devant Dieu, la sorcellerie, je ne pardonne pas. Je ne pardonne pas, je ne pardonne pas à personne. D'accord? Voilà, je vous le dis. Et vous savez, et regardez comment je suis. Je l'ai croisée cet été à Marseille. Écoutez, moi, je l'ai croisée chez Sephora. Elle m'a vue, on aurait dû, elle a vu je ne sais pas qui. Elle tremblait comme ça. Vous avez vu Parkinson? Parce qu'elle me connaît. Elle avait peur que je lui mette un coup de tête dans ses chicots. Je la touche pas. Je la touche pas. Vous savez pourquoi? Parce que je ne suis pas une hagal. Je ne suis pas la hagla plus faible que moi. Par contre, l'envie, elle y était de lui mettre le coup de tête. Hein. Je vous le dis. La vérité, je vous parle français. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis partie devant sa gueule. Je me suis mise comme ça. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Et je lui ai dit, tu as vu ce que tu m'as fait? Espèce de sorcière. Regarde le bon Dieu ce qu'il va te faire. Elle n'a pas parlé. Elle tremblait, Parkinson, comme ça. Elle était comme ça. Elle a fait quoi? Elle a tout reposé. Elle est partie. Elle est partie. Elle avait peur. Parce qu'elle me connaît, elle sait que... Hein? Et mais j'ai rien fait. Je ne l'ai même pas hagal. Et je ne me vengerai jamais. Par contre, hasbiallah ou n'aimel wakil, hasbiallah ou n'aimel wakil, hasbiallah ou n'aimel wakil. Dieu va me venger. Et la sorcellerie, je ne pardonne pas. Mais vous êtes fous, vous? Elle me fait de la sorcellerie. Je ne lui ai rien fait. C'était ma meilleure amie. J'ai toujours été là pour elle. Après ça, j'ai gardé ses secrets. Et après, et vous voulez que je lui pardonne? Enfin, il y a des gens, pas tous. Hein. C'est pour ça, Internet, des fois, vous... il y a des malades sur Internet. Mais jamais de la vie, je lui pardonne. Jamais de la vie. Devant Dieu, je ne lui pardonnerai jamais. Bref, j'ai bien besoin de mon cœur. Et voilà, ma rivière de diamants. J'enlève son truc. Et terminé. Terminé. C'est pour ça qu'elle n'a jamais ouvert sa bouche sur moi, sur les réseaux. Elle sait ce qu'elle m'a fait, elle le sait. Elle le sait qu'elle a été mauvaise. Et même quand je me faisais harceler, alors que celle qui m'a fait du troll, même pas, elle a déjà arrêté de la harceler. Alors que moi, je disais aux gens, ne la harcelez pas, s'il vous plaît, quand l'histoire, elle est sortie. Tellement son cœur, il est noir. Mais elle va avoir le bon Dieu. De toute façon, elle n'a rien à dire sur moi, parce que car aujourd'hui, ses secrets, elle me connaît. On a été meilleurs amis. Elle sait à quel point je suis loyale. Ses secrets, alors que j'aurais pu la détruire, je les ramène avec moi dans ma tombe. Jamais je parle. Même si je te parle pas, même si je m'en fais du mal. En amitié, je suis loyale. Tu as été mon ami, moi je te montre que je suis mieux que toi. Tes secrets, je te les balance pas. Avec tout le mal que tu m'as fait la pire des choses, tu m'as fait de la sorcellerie et je me venge même pas. Mais par contre, Dieu le plus puissant. Eh, je vous dis, la sorcellerie, il n'y a pas pire qu'on péché. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Vous allez brûler en enfer. Il n'y a pas pire que ça. Vous allez brûler et tout, ça se retourne contre vous. Tous ceux qui font de la sorcellerie, ça se retourne contre vous. D'accord? C'est Dieu qui donne, comprenez-le, c'est Dieu le Tout-Puissant. Tout est par la permission de Dieu. Ah, moi, les gens qui font de la sorcellerie, moi, je peux pas. Moi, je peux pas, moi, je peux pas, moi, je peux pas, moi, je peux pas. Voilà, ça me monte les nerfs. Ok, and how many time remove? How long we will text you? Ok, it's possible, si, remove si, you know, yeah. And remove, but put J. Yes, this is what we mentioned. Ok, et là ils me font signer le papier, voilà, j'enlève son C là, sorcière là, signature, voilà, my vagina, bam, so, bam. And we will let you know by phone, yeah? Ok, you have WhatsApp? Juste, ouais, WhatsApp, you have, yes. Non, yeah, yeah. You have my French number, yes. But you now, put my yes. WhatsApp number.
à la place du C, remove C et tu mets un G. Yes. Moi, ça fait My Vagina. Yeah. 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 Voilà. Regardez comme elle est trop belle. Voilà. Pas de sorcière. Ils ont essayé, mais sorcière, il n'a pas marché. Je suis revenue pour tout péter. Non, mais vraiment. Parce que là, je repense à cette histoire. Vraiment. Les gens qui me disent pardonne-lui, vous êtes des grands malades. Jamais de ma vie, je lui pardonne. Oh, cette histoire, elle m'a tellement traumatisée parce que vous n'avez pas tout vu sur Internet. Elle payait les blogueurs pour pas que ça sorte. Moi, j'ai tout vu. Oh, je voyais ma meilleure amie, ma soeur, en train de faire de la sorcellerie, en train de dire à la sorcière, en train de dire à la sorcière, c'est bien fait, son père, il est mort. C'est grâce à la sorcellerie. En train de se réjouir du malheur que mon père il est mort à l'aïlahman. Wesh, quand tu vois ça, tu crois que tu vas lui pardonner? Déjà qu'elle ait de la chance que je lui ai pas cassé les dents. Qu'elle ait de la chance. Oh, elle a dit c'est bien fait, c'est la sorcellerie qui a fait tuer mon père, il voulait que je lui pardonne. Wesh. Non, les gens ils sont déconcentrés. Non, mais devant Dieu je lui pardonne jamais. Et je me languis qu'on soit toutes les deux devant Dieu. Que je lui dise je te pardonne pas. Mais elle va voir comment elle va être. Ah, je suis partie voir la psychologue pour cette histoire. Comment je me suis dit, c'est pas possible, pas elle, pas ma meilleure amie qui me fait de la sorcellerie pendant qu'on s'aime trop, on meurt l'une pour l'autre. C'est. Oh, je suis tombée de 10 étages. Non.
je peux plus, vas-y, lui, je vais le bloquer. Non, starfella, ya rabbi. Vous comprenez pas que c'est Dieu qui donne? Vous comprenez pas que si vous faites ça, ça va se retourner contre vous? Vous êtes des malades mentaux, ceux qui font de la sorcellerie. Dieu, il vous maudit, c'est interdit, c'est Dieu qui donne. Tu poses ton front seul, tu demandes à Dieu. Non, moi, je peux pas.